الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Que l'honneur et l'élévation en degrés les plus parfaits soient accordés à notre maître Muhammad, ainsi qu'à sa famille et à ses compagnons bons et purs. Amma ba'd, fa inna ad-du'a'a ni'matun kubra wa minhatun julla jada biha rabbuna jalla wa ala haythu amarana bid-du'a' wa wa'adana bil-ijaba wal-isaba. Les invocations sont un énorme bienfait, une grande grâce que notre Seigneur nous a accordée, puisqu'il nous a ordonné de l'invoquer et il nous a promis de nous exaucer et de nous récompenser. فشأن الدعاء عظيم ونفعه عميم ومنزلته عالية في الدين وله فضائل عديدة وثمرات جليلة. فما استجلبت النعم بمثله ولا استدفعت النقم بمثله. Les invocations représentent quelque chose de très important. Les bénéfices et les profits des invocations sont immenses et la place des invocations est très grande dans la religion. Les invocations représentent beaucoup de profits et donnent des fruits très importants. Il n'y a pas un autre moyen d'obtenir des grâces comme par les invocations, et il n'y a pas un moyen par lequel on peut repousser les épreuves comme les invocations. ذلك أنه يتضمن توحيد الله وإفراده بالعبادة دون من سواه، لأن العبد عندما يدعو الله تبارك وتعالى راغبا إليه حيث إنه خالق المنفعة والمضرة فقد تذلل له غاية التذلل. Les invocations comportent la croyance et la reconnaissance de l'unicité de Dieu. Les invocations impliquent de n'adorer que Dieu. Car l'esclave, lorsqu'il invoque Dieu, en espérant son exaucement, puisqu'il est le créateur de tout ce qui est profitable, il est le créateur de tout ce qui nuit. En l'invoquant, il se sera soumis à lui à l'extrême. فما أشد حاجتنا إلى الدعاء بل ما أعظم ضرورتنا إليه. Combien nous sommes dans le besoin des invocations et combien les invocations sont indispensables pour nous. لقد خلقنا الله تبارك وتعالى لهدف عظيم وأمر جسيم ألا وهو تحقيق العبودية له سبحانه. Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés pour un objectif éminent et pour un devoir très important qui est de réaliser le fait que nous soyons ses esclaves subhana. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون معناه إلا لآمرهم بعبادتي. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Dhariyat, la ayah 56, « Ce dont nous comprenons, je n'ai créé les djinns et les humains que pour leur ordonner de m'adorer. » فَمَنِ الَّذِي خَلَقَكُمْ غَيْرُ اللَّهِ وَمَنِ الَّذِي رَزَّقَكُمْ غَيْرُ اللَّهِ وَمَنِ الَّذِي يَكْلَأُكُمْ يَحْرُسُكُمْ وَيَحْفَظُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ غَيْرُ اللَّهِ. Qui d'autre que Allah vous a donc créé? Qui d'autre que Allah vous accorde votre subsistance? Qui d'autre que Allah vous protège nuit et jour? Seul Allah. فالله هو الذي يقصد عند الشدة بجميع أنواعها ولا يجتلب بخلقه نفعا منهم لنفسه ولا يدفع ضررا بهم عن نفسه فهم لا ينفعونه ولا يضرونه. C'est Allah et son aide
que nous recherchons lors des épreuves, quelle que soit l'épreuve. Et Allah ne tire aucun profit pour lui-même par ses créatures. Il ne repousse non plus aucune nuisance de lui-même par ses créatures. Ces créatures ne lui profitent pas et ne lui nuisent pas. فمن ذلك أن الدعاء طاعة لله تعالى وامتثال لأمره عز وجل. Les invocations représentent un immense bienfait et ont un grand mérite, puisque les invocations constituent en soi une obéissance à Dieu. Les invocations représentent une obéissance à ses ordres, عز وجل. فقد أمر بذلك عباده بأن يدعوه ويطلب منه حوائجهم ويسألوه مقاصدهم ووعدهم أن يجيبهم ويعطيهم سؤلهم ويدفع عنهم ما يضرهم. الله a ordonné à ses esclaves de l'invoquer et il leur a promis qu'il les exaucera et qu'il leur accordera ce dont ils ont besoin et qu'il repoussera d'eux ce qui leur nuit. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة بمعنى ما يتقرب به إلى الله لأن الصلاة التي أفضل ما يتقرب به إلى الله بعد الإيمان بالله ورسوله مشتملةٌ على الدعاء. Allah Ta'ala nous apprend qu'il nous ordonne de l'invoquer et qu'il nous exauce. Et le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que les invocations sont une grande part de l'adoration, c'est-à-dire que par les invocations on se rapproche de l'agrément de Dieu. La prière, qui est la meilleure des actes, la meilleure des œuvres que nous pouvons accomplir pour se rapprocher de l'agrément de Dieu juste après la croyance en Dieu et en son messager, eh bien la prière comporte des invocations. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام وقال ربكم ادعوني استجب لكم كما رواه ابن حبان وغيره. Et le messager a juste après sa parole récité la parole de Dieu qui veut dire « Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous exauce. » Cela a été rapporté par Ibn Hibban et d'autres. وَالدُعَاءُ سَبَبٌ عَظِيمٌ لِنْشِرَاحِ الصَّدْرِ وَتَفْرِيجِ الْهُمُومِ وَزَوَالِ الْغُمُومِ وَتَيْسِيرِ الْأُمُورِ. Les invocations sont une grande cause pour amener la sérénité dans le cœur, pour délivrer des tourments, pour dissiper le chagrin et faciliter les affaires. فقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد ذات يوم فرأى رجلا فيه من الأنصار يقال له أبو أمامة. Un jour le prophète صلى الله عليه وسلم est entré dans la mosquée et il a vu un homme parmi les partisans, les Ansar, les musulmans de Médine. Cet homme s'appelait Abu Umama. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة. Le prophète صلى الله عليه وسلم a interrogé Abu Umama. Il lui a dit, ce dont nous comprenons en français, pourquoi tu es là assis dans la mosquée alors que ce n'est pas le temps de la prière. قال هموم لزمتني وديون أثقلتني يا رسول الله. C'est à cause de tourments et de dettes que je n'arrive pas à rembourser au messager de Dieu. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى دينك. Le prophète صلى الله عليه وسلم lui a alors dit, ce dont nous comprenons en français, voudrais-tu que je t'enseigne des paroles
Si tu les dis, Allah dissipe ton tourment et rembourse tes dettes. قلت بلى يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Le compagnon répondit « Oh que oui, ô messager de Dieu !» Il lui alors dit, ce dont nous comprenons en français, « Dis chaque matin et chaque soir cette invocation » et il lui a récité, qui veut dire « Oh Allah, je te demande et je demande la préservation par toi contre le tourment et le chagrin, contre l'impuissance et la paresse, contre le manque de courage et l'avarice, et contre le trop de dettes et l'oppression des gens. » قال ففعلت ذلك فأذهب الله همي وغمي وقضى ديني كما رواه أبو داود. Abu Umama a dit « Je fis ce que le messager m'enseigna, et Allah a dissipé mon tourment, mes chagrins, et a fait que mes dettes soient remboursées, tout comme cela a été rapporté par Abu Dawud. Allahumma aslih li dini, alladhi huwa asmatu amri, wa aslih li dunyaya, allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati, allati fiha ma'adi, waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khayr. Ô Allah, fais que je m'applique dans ma religion, cette religion qui est une cause de ma préservation, fais que dans ce bas monde, je sois dans de bonnes conditions, fais que mon au-delà dans lequel je viendrai soit un au-delà où je serai dans le bien, et fais que cette vie ici-bas soit une augmentation dans le bien. Et fais que la mort soit une délivrance pour moi de tout mal. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.